Bonjour à vous, Lise. Pour le défi des 100 jours, saison 6, j'ouvre mon cœur. Jour 19 que je réenregistre parce que visiblement, ce que j'ai fait via mon téléphone n'a pas voulu s'ouvrir. Voilà, Mercure, de nouveau. Hein. Je fais une crise de mercurite aiguë, apparemment. Donc, voilà. Donc, le thème d'hier, c'était... la première chose que j'ai vue en ouvrant, je sais plus quoi, un livre, ou c'était un questionnement sur les miracles. Les miracles existent-ils? Je n'ai pas eu ma réponse, hier en tout cas, mais en y réfléchissant bien, ça m'a permis en fait de réfléchir plus loin et de faire le bilan sur ma vie. Et de voir qu'en fait tous les petits miracles quotidiens, hebdomadaires, annuels, voilà. Et il y en a pas mal. Maintenant, tout dépend de la conception de chacun concernant le mot miracle, bien sûr. Voilà, moi j'ai eu par exemple des rentrées d'argent sur lesquelles je comptais pas. J'ai eu un enfant. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Je vais à l'envers. J'ai eu un voyage en Égypte, une année, tout frais payé dans un resort à Cairo. Qu'est-ce que j'ai eu encore de... J'ai eu l'occasion de voyager le monde. Enfin, de parcourir le monde grâce au job de mon papa. Et là, on arrive dans des cultures différentes, dans des pays différents, dans des villes différentes, régulièrement plusieurs fois par an. Notamment, on allait faire les soldes à New York une fois par an. Donc, voilà. Donc ça, si c'est pas du miracle au quotidien... Et puis, on en arrive au journal de la gratitude et puis au petit luxe de la vie. Donc, ça me ramène chaque fois à ça. Tout ce que j'ai à la maison, le confort, etc., que j'ai en ouvrant le robinet. En allumant la lumière. Voilà. Donc, finalement, ce petit papier-là, enfin, cette petite réflexion, m'a mené à beaucoup plus loin que juste se demander est-ce que les miracles existent. Donc vous aussi posez-vous la question de savoir pour vous et selon vous, selon vos propres critères, qu'est-ce qu'un miracle ?